Il a la faculté à pouvoir jouer plus haut, plus bas. Après, le terme meneur de jeu, c'est surtout un joueur créatif. Bon, après, j'ai pas besoin de vous parler des qualités techniques de Johan, mais il a cette faculté à faire jouer les autres et à faire bien jouer les autres quand il est dans de bonnes dispositions, comme il est à l'heure actuelle. C'est un élément qui peut être important pour un collectif. Puisqu'on parle de temps de jeu.